stop. What's up tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien les amis, car pour ma part ça va à peu près bien. Il y a eu quelques petits soucis mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Vous verrez que c'est très important, c'est surtout pour vous que je ferai cette vidéo, pour vraiment vous prévenir et du danger qu'il peut y avoir sur internet. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire, car je vais vous annoncer les dates du commencement et de fin de la bêta du prochain Call of Duty Black Ops 3, qui sera présente sur PS4, PC et Xbox One. Donc pour ma part je la testerai sur PC, même si j'aurais dû la faire sur PS4, je me suis fait un peu douiller et donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, c'est la chose dont je parlais en début de vidéo. Donc aussi tout ce qui est que le nouveau partenariat entre Sony et Activision, c'est désormais la console PlayStation qui prend les devants et qui aura les avant-premières des DLC et par conséquent de cette bêta qui commencera le 19 août et s'arrêtera le 23, donc sur PS4, contrairement aux plateformes Xbox One et PC qui auront du retard car la période bêta s'étendra du 26 au 30 août. Vous voyez donc que le temps de bêta est le même pour tester mais à des espaces de temps plus éloignés. L'avantage va donc être pour Sony durant cette nouvelle saison de Call of Duty qui va arriver dès début novembre. Voilà les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour me soutenir, ça vous prend 2 secondes et si vous êtes 50 à le faire, ça me booste énormément pour vous fournir encore plus de contenu de qualité. Dites-moi également en commentaire vos questions ou recommandations quant à des sujets pour de futures vidéos sur GTA V, FIFA, Call of Duty ou peut-être bien des vidéos fun sur des jeux indépendants. Et bien évidemment pour suivre la suite de mon aventure, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour du contenu régulier de qualité. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao les gamers.